Y'a plein gens, c'est Verxio, c'est Urgence, on prend une toute nouvelle vidéo sur Dofus, donc une toute nouvelle astuce du jour, donc j'espère que vous allez bien. Donc s'il vous plaît pour cette vidéo, elle va vraiment être énorme, vraiment une énorme astuce, donc s'il vous plaît, faites péter le like, abonnez-vous, et partagez cette vidéo, lâchez des commentaires s'il vous plaît. Je rappelle toujours pour la vidéo, pour le don de Kama, il y a toujours que 4 personnes qui sont inscrites, s'il vous plaît, c'était pour les dons, pour les 100 abonnés, donc retournez sur cette vidéo et inscrivez-vous. Vous, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment le faire, mais il y a vraiment personne qui est là, donc c'est vraiment dommage. Du coup, on va directement passer à cette astuce. Du coup, par contre, vous devrez malheureusement être abonné, donc excusez-moi pour ceux qui sont non abonnés. Donc ça va comporter avec les dés de la chance, donc j'en reparlerai dans une autre astuce que pour cette astuce que je parlerai prochainement. Ça ne sera pas pour la même méthode. Mais pour cette méthode, vous devrez l'équiper, être de level 50 du coup pour l'équiper. Vous pouvez même le faire 25 fois. Enfin, moi par exemple, j'ai 5 comptes, du coup je pourrais le faire 25 fois si j'ai 5 persos de niveau 50 ou plus dans mon compte. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal du tout. Donc là, vous allez sur la Kamabaraka, donc qui est au temple, à la statue Ekaflip à Strub, donc dans la maison de Kirby. Vous faites payer 400 Kama, actionner le levier. Donc soit c'est gagné, soit c'est perdu. Vous devrez actionner le levier, pardon. Quand vous faites récupérer votre lot. Donc là j'ai eu un truc assez pourri. Donc je l'avais déjà fait avec mon Yob. Donc avec mon Yob j'avais eu un anneau de chance. Donc ça aussi c'est pourri. Avec mon Kra j'avais eu une patte de Wabbit. Donc ça aussi c'est pourri. Mais nous, ce qu'on cherche vraiment, ça va être les pelotes des Kaflip. Donc je suis d'accord, vous pouvez, elles sont utiles que pour un seul item, mais voilà. Donc là j'en ai eu une, donc la chance est aléatoire, hein. Il y a autant de chances pour toutes. Donc vous allez voir après le prix HDV, donc je vais la donner à mon perso principal, hop, en passant. Donc faites attention, moi je fais ça parce que j'ai plusieurs comptes, j'ai un peu la flemme. Enfin, il n'y a pas énormément de monde qui passe, mais j'ai un peu la flemme de faire l'échange à chaque fois. Du coup, je fais comme ça. Après, c'est à vous de choisir. Donc là, perdu, décidé de rejouer. Donc pour l'instant, j'avais pas rejoué. Donc là, j'ai gagné une patte de Wabi. Donc voyez, j'ai eu que des trucs pourris. Donc avec cette astuce, pourquoi une astuce jour? Puisque tout simplement, vous pourrez le faire tous les jours. Donc une seule fois par jour. Enfin. Une seule fois jusqu'à ce que vous gagnez, donc vous dépenserez 421 Kama jusqu'à ce que vous perdrez, jusqu'à ce que vous gagnerez. Et là, vous ne pourrez plus le faire tous les jours. Du coup, je vous le dis quand même, hein, ça se vend pas en 2 minutes, hein. Ça peut prendre plusieurs semaines. Au pire, crafter l'item, je vais directement vous montrer l'item. Enfin, plusieurs semaines, maximum une semaine, je pense. Ça va dépendre de votre chance, donc crafter l'item qui coûte vraiment rien. En HDV, il se vend vraiment bien. Puisque soit pour le PvP bas level, mais généralement les gens prennent plutôt un d'autres coiffes qui rajoutent de la vitalité quand même. Mais en fait, il y a quelqu'un qui vous suit, donc juste pour le style, de temps en temps des personnes s'en servent. Ça va être, c'est comme pour les insignes de Kekuf, mon avant dernière vidéo, donc mon avant dernière astuce Kama. Je crois même c'était oui mon avant dernière astuce Kama, mais ma troisième vidéo avant celle-ci. Et du coup, c'est vraiment que pour le style. Du coup, on va aller voir l'item. Je crois il vaut dans les 1 million au pire. Avec la pelote, vous craftez l'item. Hein. Le reste coûte dans les... Excusez-moi, c'est le téléphone. Donc, j'ai éteint le téléphone. Excusez-moi. Donc, le reste coûte dans les 150 000 Kama, pas plus. Du coup, vous allez ici. On va chercher directement la perruque de Yop alors. Donc, Yop. Perruque de Yop, donc ouais, 500 000 Kama, beaucoup de monde en prend tout simplement parce que c'est style. Donc vous arrivez, vous craftez, vous revendez l'item, hein, ou alors vous revendez directement la ressource, puisque pour le craft il faut avoir la ressource. Donc moi j'ai déjà une pelote qui est en HDV à 199 000 Kama, donc non, 219 000 Kama pardon, donc 220 000 Kama. Et sinon vous pouvez craft ça, donc moi je vais en craft un de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc les gens, s'il vous plaît, likez cette vidéo, faites péter les likes, partagez la et abonnez-vous. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont vu cette vidéo. Et allez, ciao ciao tout le monde.